Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis enseignant. Ok, super. Ouais, enseignant en photographie. Donc, tu es son élève? Exactement. Voilà, ok. Là, aujourd'hui, chouette. J'apprends. Là. Mais c'est pas simplement la photo, c'est une philosophie de vie en fait. C'est-à-dire? Le portrait de rue. Essaye de te rapprocher, ouais, faire un close-up. Mais deux super regards en tout cas. Je crois qu'elle va être très très bien sexy. Elle est cute, non? Je la trouve intemporelle, cette photo. Intemporelle. Ouais, je sais pas, dans le sens où... je sais pas, vous avez... En fait, surtout, toi, t'as un visage... Enfin, je vais dire des trucs chelous, là. Mais en fait, un visage qui pourrait traverser le temps. Tu sais, par exemple, tu regardes des photos des années 70, ouais, 60, etc. T'as des gens, ils ont des visages différents. Ouais. Et toi, t'as un visage un peu intemporel. Je suis photographe, alors je prends les gens en photo. Okay. Mais les gens spéciaux. Je suis pas spéciale. Salut. Salut. Genre, un visage random, genre, en mode... Non. Putain... Là, on est sur un cas de figure très particulier. Ah ouais? Ouais. Et je trouve ça dingue de pas avoir, enfin, de dire une chose pareille. Parce que qu'est-ce qui te pousse à croire que t'es random, en fait? C'est quoi? T'es diplômé? Oh putain, en je suis diplômé. Non, sincèrement, t'es diplômé. Oh là là. Non, mais tu sais pourquoi je vais dire que t'es diplômé, mec? T'es diplômé parce que je trouve que tu le fais de manière naturelle. Tu ne copies pas. Tu le fais à ta façon. Ah ouais. Et c'est pour ça que t'es diplômé en fait. Tu vas dire tes trucs à toi, c'est ce que tu ressens. Et franchement, je suis étonné. C'est rare que les gens passent la formation aussi vite. Non mais c'est pas une blague, c'est pas la première fois que je fais ça en live. Hein, ah ouais, que j'envoie des gens comme ça. Ah ouais. Mais toi, tu as réussi avec brio. Ah